Timmy, je sais que grâce à toi, un homme est cocu. Un homme cocu? Alors, ne fais pas l'étonner. Mais tu sais, il n'y a rien de grave. Ah bon, rien de grave? D'abord, je te dis. Ah ben, si tu te prends comme ça, ça me rassure. Hein. Mais comment veux-tu te traiter, Jean-Marc? Tu es mon ami, tout de même. Oui, mais enfin, là, quand même. Ça ne me dérange pas. Ah ben, ça, alors. Mais Bernadette, tu ne peux pas. Ah, mais si, dis-moi alors, c'est ma femme et je l'aime. Mais enfin, quand même, toi faire ce brave Jules cocu. Jules aussi, il est cocu. Alors, arrête un peu de faire les progrès. Mais t'inquiète pas, je dis à personne. À personne? Non, non, faire là. À personne. Enfin, tout de même, toi faire Jules cocu. Ah, Jules cocu. Non, arrête un peu de faire étonner. Mais tu es quand même un sacré champagne. Tu es étonné parce que je la page. Mais quand même, je ne coque plus, toi. Arrête un peu de faire étonner, tu sais tout de même. Tu couches, non? Oui, mais enfin, là, quand même. Ok, dis-moi, Fernand, avec Bernadette, ça se passe comment? Quoi? Comment ça se passe? Eh ben oui, quoi, oui, comment que c'est? Oh, normal. Normal? C'est tout ce que tu trouves à dire, normal, rien de plus. Bah oui, puis tu sais, ces temps-ci, il ne faut pas s'amuser à ça, parce que si ça sèche, ça tombe. Eh oui, mais je comprends. Avant l'accident, c'était quoi? C'était l'extase, c'était le nirvana. Oh, je revois ce corps, si doux, ces jambes, si longues. Oh, c'est ça, deux. Et grande beauté sous sa droite. Bernadette, t'as deux grandes beautés sous sa droite. Oui. T'as balancé ta carte. Oui, sous le sein droit, oui, sous le sein droit. Eh bien, quelle coïncidence, dis donc, tu vas pas me croire. Figure-toi que Joséphine aussi a deux graines montées sous le sein droit. Oui, je sais, oui. Tu sais comment ça, tu sais? Ben, je sais. Je sais pas ce que Bernadette veut dire.